Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode spécial Noël sur Planet Coaster. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis entouré de neige. On est sur un nouveau parc, donc pas d'épisode 9. Voilà. On va faire un épisode spécial Noël pour votre plaisir et pour mon plaisir aussi, puisque ils ont rajouté le patch avec un nouveau thème neige. Et donc, on va profiter de tout ça pour faire un beau parc. On va essayer de faire le plus possible. Donc, ce sera un épisode extra long. Hein, pour ceux qui se plaignent que c'est trop long, tant pis pour vous. Mais voilà, comme c'est une spéciale Noël, on va essayer de faire un épisode d'environ 50 minutes, 1 heure, voire plus, quoi. Voilà. Donc le montage va être très dur pour moi, puisque je vais devoir couper dedans. Donc en gros, ça va être un épisode, je vais faire 2 heures d'enregistrement. Peut-être plus, je vais voir, faudra voir si le parc se complète. Et au final, quand le parc sera terminé, on va l'ouvrir et voir comment les gens se sentent dans ce nouveau parc. Alors, pour commencer, je vais faire l'entrée. Donc l'entrée, je vais vite faire une petite pause, je vais voir dans le workshop s'il y a déjà des thèmes Noël, des blueprints Noël pour comme entrée. Et ce serait pas mal, hein, franchement, ce serait pas mal. Donc on se retrouve directement juste après. Voilà les amis, j'ai été faire mes courses dans le workshop. J'ai trouvé pas mal de choses déjà sur le thème de Noël. Et franchement, les mecs, un grand chapeau, un grand bravo aussi. Puisque sans eux, je pense pas que j'aurais fait cet épisode. Hein, puisque c'est déjà très difficile de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose qui est beau et qui non seulement est utile. Voilà. Alors je vais déjà commencer avec l'entrée de notre parc. Attendez, hein, faut que je trouve. Donc regardez tout ce que j'ai téléchargé ici. Donc ça vient du workshop. Regardez, hop. Donc tout ça vient du workshop. Donc je sais pas trop la grandeur de tout ça, mais à mon avis, il y a de quoi faire, quoi. Ouais, il y a de quoi faire. Je vais juste voir la largeur de cette arche, parce que je vais l'utiliser pour faire ma rue principale. Je pense qu'elle fait 8 de largeur, mais je suis pas certain. Faudrait que je regarde par après. Enfin bref, on va commencer avec l'entrée. Voilà, hop, pat. Voilà, on va effacer tout ça. Donc il y a de quoi faire. Je vais aller voir dans mes blueprints s'il n'y a pas l'entrée du mec que j'avais. Franchement, je kiffais cette entrée et je voulais absolument la mettre dans le parc. Puisque c'est quand même quelque chose d'assez important d'avoir une belle entrée. Comme je vous ai dit dans les premiers épisodes de Planet Coaster. Waouh. Moi je dis. Waouh. Ça, c'est de la balle. Waouh. Alors là. Je sais pas si je vais pouvoir la mettre, mais on va tester. Hein. On va tester ça tout simplement. Je vais peut-être d'abord faire le chemin. Hein. On va faire le chemin. Pat. Alors on va l'agrandir un peu. D'ailleurs, on va un peu rétrécir ça ici. Voilà. Hop. 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 On vire ça. Et à partir d'un certain. Un certain endroit, on va quand même devoir faire un chemin un peu plus large. On va dire 6 de largeur, je pense que ce sera suffisant. Faudrait que je regarde. Alors, snap, on va mettre 15%. Pourquoi 15%? Parce que ça va me permettre de tourner mes trucs vraiment librement, sans pour autant que ça... que ça gêne, quoi. Une fois voir, est-ce que j'ai 5%? Non. Bon, 15% ce sera bien. Bon, bien sûr, avec le bol que j'ai, je n'arrive pas à enlever, à aplanir tout. Mais on a quand même déjà quelque chose de beau. Bon, moi je dis, quand on veut faire un parc digne de ce nom, il faut quand même sortir les grands moyens et directement y taper un... Attendez, ça je voulais une fois voir ce que c'était, parce que... Excellent! Waouh, terrible. Ça, je vais utiliser par après. Donc c'est une espèce de sphère
Hein, qui fait presque, allez, qui fait un peu office de boule de neige, de boule de Noël pour les sapins. Et on va pouvoir y mettre, par exemple, une. Comment on appelle ça? Une attraction, voilà. J'arrivais plus sur le mot. Où est ce fameux château que j'avais là? Parce que ça, c'était vraiment le château qu'il fallait mettre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'était vraiment un truc imposant, hein, vous l'avez vu, hein. Ah, voilà. Wonderland Christmas Castle, voilà. Vous voyez la taille du truc? C'est pas un truc de guignol, hein. Je vous le dis. Alors, faudra que je le place comme il faut. Voilà, un petit message pour celui-là qui a conçu ce château. Nice, very nice castle. Voilà, very nice castle. And thank you very much. Hein. Voilà, comme ça au moins il est content. Et nous aussi. Voilà, impeccable. Voilà, on a l'entrée de notre parc. Regardez ça. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est... J'en ai pratiquement les larmes aux yeux parce que le mec quand même il s'est démerdé pour faire un château, hein. Tout ce qui est déco et tout, franchement 10 sur 10. S'il avait un truc pour mettre pour faire des dons, bah, je le ferais directement. Franchement, je le ferais sans hésiter parce que là, waouh, j'ai encore du mal à croire ce que je vois parce que regardez ça, franchement. Le mec qui est capable de me faire la même chose, et ça avant les fêtes, alors que voilà, il n'y avait pas encore les décorations, donc le mec il a dû vraiment passer sa journée à faire ça. Je dis waouh quoi. Voilà, tout simplement. Alors là, il y a une petite erreur, mais bon, c'est pas trop grave, on va pas lui en vouloir en fait. Hein. Je me dis que il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais bon, voilà, c'est pas encore trop grave. Je préfère voir quelque chose comme ça plutôt que de voir des constructions qui ont été mal faites de A à Z, quoi. Voilà. Donc, voilà, notre château est installé. On va mettre notre entrée aussi. Voilà. Donc, j'avais une entrée spéciale ici. Attendez. Est-ce que je peux utiliser ça? Apparemment, c'est le même mec qui a fait ça, hein. Je sais pas, mais je suis pas certain, mais je pense. Et franchement, si c'est ça, waouh, le mec, il a géré quoi. Voilà, regardez ça. Hein, c'est pas beau. C'est pas beau ça, hein. Donc, est-ce que je vais, ouais, je vais le dupliquer et je vais en placer un comme ça ici. Voilà, impeccable. Donc, on a notre entrée. C'est plutôt joli. On va placer déjà quelques petites décorations, bien que le château en lui-même c'est déjà une très belle décoration. On va encore ajouter quelques trucs, quoi. Regardez les petites étoiles et tout. Allez, voilà pourquoi Noël c'est tellement beau, hein, parce que on a ce genre de décorations qui peuvent être utilisées. Et moi je dis c'est magnifique quoi. Franchement, y a pas à dire. Hein. On peut pas dire que c'est mal fait parce que voilà, y a rien à dire. C'est vraiment. Allez. Pourtant Noël, voilà, c'est pas non plus. C'est une fête qu'on a tous les ans, mais voilà, tous les ans ça reste magique. Et ici encore une fois, ça prouve que c'est magnifique. Alors là, je dois un peu le baisser parce que. À mon avis, j'ai fait une bêtise. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Hop. Voyons voir ce que ça donne en... Ah. Voilà. Excellent. Est-ce que je peux mettre une petite musique? Non, ça va pas. Non, ça va pas à mon avis. Mais bon, voilà, on va pas se casser la tête.
Donc, on a notre petite entrée. On a un petit château sur le côté gauche. Voilà, c'est décoratif, hein. Pour l'instant, l'entrée est vraiment à titre décoratif. On va mettre une première attraction et je vais directement utiliser cette fameuse boule de neige qui, voilà, que je kiffe particulièrement parce que c'est quand même joli, franchement. Y a pas à dire, hein. Le mec qui a fait ça, il a géré. Et ça prouve encore une fois que beaucoup de gens ont de l'imagination. Et moi j'aime bien ça tout simplement, voilà. Quand c'est décoré de cette façon, on ne peut dire que du bien de ces gens qui nous pondent des décorations pareilles. Alors je vais directement vous montrer ce que ça donne la nuit, hein, vous allez kiffer. Voilà. Donc ça c'est décoration de Noël. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Excellent, n'est-ce pas? Alors, au niveau des track rides, donc je vais utiliser les rides. Donc je vais peut-être utiliser quelque chose qui est à la taille de cette belle. Ouais, ça serait pas mal. Faudrait que je vois s'il n'y a pas un truc de Noël, tiens. Parce que s'ils ont ajouté ça encore en plus, franchement, GG quoi. Non, apparemment pas. Il n'y a pas. Sky Ace, Magic Twirl. Est-ce que je pourrais placer ça? Il n'y a pas un truc plus large? Les tasses par exemple. Voilà, les tasses. Bien les tasses. Bien les tasses. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ouais, y a pas à dire. Les gens vont kiffer. Placer l'entrée, on va la mettre là. Voilà. La sortie, on va la mettre à côté. Voilà. Donc, l'entrée, on va la placer comme ça. Voilà. On va la faire passer un peu sur le côté. Bah, pas trop se casser la tête, hein, franchement. Voilà, il faut qu'il y ait environ 1, 2, 3, 4. Donc 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 x 3, ça fait 72. 72. Si, il y a 72 personnes qui savent entrer dans la queue ici, c'est nickel. Voilà. Voilà, faut toujours tenter que. Toujours voir que notre chemin continue. Voilà, Pat. Impeccable. Alors là, je peux faire enfin la fin de l'entrée. Voilà. Hop. Petite entrée comme ça, ici. Impeccable. Je vais mettre le jour parce que voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi de construire. Voilà. Et ça va aussi vous permettre de voir ce que ça donne en journée. Voilà. De toute façon, tantôt, tout à l'heure, quand on aura fini notre parc, hein, ou du moins déjà une grosse partie du parc, vous allez tout voir en cinématique. Hein, les gens qui entrent dans le parc, voilà, l'entrée, enfin tout ce qui est décoration, vous allez voir ça tout en détail. Donc voilà, vous allez kiffer. Voilà, tout simplement. Hein? Alors, ça, on va mettre aussi. On va mettre ça ici. Ça, je vire. C'est tous des trucs qui sont moches. Voilà. Est-ce que je l'ai bien aligné? Non, je l'ai pas bien aligné. Faut que je l'aligne comme il faut, hein, parce que sinon, ça le fait pas. Voilà, je pense que ça fera l'affaire. Hein. Voilà, ouais, ça fera l'affaire à mon avis. Ça fera l'affaire et c'est déjà très joli comme ça, hein, franchement. Y a pas à chipoter. Ouais, je vais peut-être mettre encore un truc ici, vraiment pour montrer que c'est l'entrée du parc. Et le mec, il a géré, quoi. Franchement. Tiens, c'est moi ou est-ce que j'ai vu des pierres ou des trucs comme ça? Voilà, impeccable.
Donc, on a notre entrée, on a notre petit château, on a déjà une attraction qui prend déjà beaucoup de place certes, mais voilà qui au final voilà va pas être l'attraction phare, ne va pas être l'attraction phare du parc, mais voilà, on a déjà une belle décoration sur le côté. Voilà, pour continuer, on va continuer notre route principale. Donc, je vais faire comme j'ai fait sur l'épisode, enfin sur le parc de la série, hein. Je vais faire entrée, enfin ça c'est l'entrée, hein. Et puis je vais faire une rue assez large, une route assez large. Et je vais voir ce que je vais utiliser comme texture pour faire ça. J'aimerais bien utiliser ça, tiens. Je kiffe. I kiffe. I kiffing the machin. Alors 6 mètres. On va prendre 8 mètres, tiens. 8 mètres, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que 8 mètres, ça pourrait faire l'affaire? Pour faire ce qu'on veut faire, hein. Voilà. On a déjà notre route principale qui est certes très longue, mais bon, elle va être dispersée vers la gauche et vers la droite. Donc ça va pas être un problème à ce niveau-là. On va juste voir si on peut éventuellement. Ah oui, il faut que je fasse le trottoir, c'est juste. I forget. Déjà une petite décoration de Noël au niveau de la rue principale, la Main Street comme ils appellent. Donc Energy Christmas. Voilà, on va déjà mettre une petite échoppe. Voilà, pourquoi? Parce que on en a besoin. On va mettre ça un peu plus loin, comme ça ne gêne personne. Oh oui. Je peux éventuellement mettre un petit train, hein? Un petit train qui pourrait éventuellement faire office de décoration pour commencer. Voilà. Voilà. On peut mettre des toilettes. Tout simplement. Impeccable. Ouais, c'est une petite rue principale, hein. On va pas vraiment se casser la tête. Alors, Sweet House. Ah, j'en avais déjà placé une là-bas. Merde, c'est juste. Ah, quoique, attendez. Je viens de penser à un truc là. Ah, mais non, c'est pas la même. C'est pas la même, hein.
Non, c'est pas la même. Et en plus, regardez. Il y a plein de petits trucs, des petites échoppes et tout. Donc on va l'utiliser celle-là. Et éventuellement, on va la placer comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le nécessaire. Je vais voir au niveau des scènes s'il n'y a pas des petits trucs effets spéciaux avec des bonhommes et des trucs comme ça. Enfin, il faut voir dans Custom, tiens. Custom. Props. Ah, avec des trucs spéciaux de Noël, ce serait pas mal, hein. La petite cloche de Noël, c'est pas mal ça. Ah ouais, ça serait pas mal ça. Hop. Use World Axe. Voilà. On va un peu bouger ça comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Et voilà. C'est nickel. Alors là, je viens de voir qu'on en a deux, des cloches. Donc ça, c'est pas bon. Hop, on vire ça. Comme ça, on en a qu'une, hein. Voilà. Décorative bell with ribbon, voilà. On a une petite décoration de Noël. Donc, puisque j'ai une grande place ouverte ici, je vais directement placer quelque chose que vous allez adorer, hein. C'est un blueprint que j'ai téléchargé. Et voilà, ça colle bien au thème de Noël, bien sûr. Voilà un petit train. On va essayer de le placer comme il faut. Alors là, il faut que je le place comme il faut parce que sinon, s'il vole dans les airs, c'est pas cool quoi. Donc voilà, on a un petit train de Noël, c'est pas mal en forme de biscuit. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas de la gnognotte, hein. Le dé. Donc, comme on a placé des lampadaires, je sais pas si on peut placer ça aussi entre. Ce serait pas mal, hein. Franchement, ça le fait. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Vraiment des petits trucs de Noël. Voilà, on va dupliquer. On va essayer de le placer encore un ici. Impeccable. Voilà, c'est pas très centré, mais bon, voilà. On va pas se casser la tête. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, je vais encore en faire un. Comme ça, au moins, on a la totale. Hein, on en a 3, 4. Et ça va être très joli comme ça, je pense. Bon, c'est aussi le mec qui n'a pas très bien centré son merdier. Hein, donc, voilà. C'est pas nous qui avons foiré notre truc, en fait. C'est lui qui a pas bien centré ses guirlandes, mais bon. C'est pas grave, hein. Parce que voilà, c'est aussi des trucs qui sont faits à la main, dans la vraie vie, hein, qui sont placés comme ça. Et généralement, ben voilà, c'est pas toujours très droit. Mais voilà, ça se voit pas à l'œil nu. À l'œil nu, aussi, quand même, un peu. Bon, c'est pas trop grave. Voilà, on s'en fout un peu. Donc, pour continuer, voilà, on a déjà des chiottes, on a déjà un magasin, on a plusieurs magasins qui ont fait leur apparition sur notre rue principale. Je vais aller voir dans les blueprints pour voir s'il n'y avait pas encore un stand avec. Ah ouais, ici, tiens, regardez ça. Ça, c'est parfait. Non! Ouais. Impeccable. Ah, les gens, ils vont adorer, hein. Bravo au petit gars qui a fait cette petite cabane. Parce que là, franchement, I kiffing the machin, hein. Franchement, voilà, il a fait un ATM avec des magasins sur le côté. Donc, et ça le fait, quoi. Franchement, ça le fait. Donc là, c'est vraiment le marché de Noël, hein.
Voilà, c'est vraiment un marché de Noël. Voilà, je vais placer ça comme ça. Impeccable. Qu'est-ce que je pourrais encore placer? Alors, il y a encore des... Il y a encore plein de trucs. Plein. Alors, Energy Christmas, ça j'avais déjà installé. Fairy Tale Town Market, j'ai pas besoin parce que ça fait pas partie du thème Noël. Ah, je voulais placer ça aussi en fait parce que c'était, je trouvais ça plutôt magnifique. Et voilà, ça colle bien au thème de Noël, tout simplement. Donc, alors on a encore un Christmas tree ici qui est super bien foutu. Hein, franchement, là. Il y avait déjà un sapin de Noël qui était pas mal, mais là, franchement, on a... je pense qu'on a le grand gagnant du plus beau sapin de Noël. Franchement, pour moi, ça, c'est le plus beau. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a les cadeaux, il y a la petite étoile qui va avec. Le sapin, bah, c'est un sapin tout simplement normal. Voilà, il n'y a pas, y a pas à chercher. Et voilà, je le trouve très réussi, voilà, tout simplement. On peut choisir la couleur des lumières. Regardez, hop, on va choisir de la couleur bleue et verte éventuellement. Voilà, verte et rouge. Voilà, on va prendre du rouge. Et ouais, on va prendre aussi du jaune. Tiens, allez, hop, comme ça on a la totale. On a un très beau sapin de Noël. Voilà, impeccable. Et on va directement voir ce que ça donne la nuit. Tiens, hop. Oh, c'est pas beau ça, franchement. Là, il y a des... Hein ? Là, franchement, on est vraiment dans l'univers Noël. Je pense que on peut pas mieux faire. On peut mieux faire, mais voilà, c'est qu'un début. Hein. On a que fait la rue principale, la route principale. Maintenant, je vais installer une première attraction. Enfin, une deuxième attraction, puisqu'on a déjà la première ici, dans l'espèce de boule de Noël, qui est plutôt bien foutue, je dois dire. Donc... La deuxième attraction, elle était aussi vraiment liée à l'esprit de Noël. Et je voulais absolument la mettre, celle-là, parce que voilà, je kiffais. Hein, I kiffing le machin. J'espère que je vais le retrouver. Parce que je sais pas si c'est dans mes blueprints ou bien dans autre chose. Mais à mon avis, ça doit être ici. My blueprints. Attendez, j'ai fait une erreur qui n'est pas juste. Voilà. Faut que je replace tout ça. Voilà, parce que là je viens de remarquer que j'ai fait une grosse connerie et j'ai placé vraiment le thème de truc de Noël comme un starbé, comme on dit. Excellent. Hop, voilà, on le place comme ça. C'est très beau. Merde, ils ont les pieds dans la neige, mais bon, c'est pas trop grave. Donc le fameux Christmas tree que je voulais placer, on va le placer ici sur le côté. Voilà. Hop. Voilà, impeccable. Le fameux truc de Noël là, que je voulais placer, je sais plus où il est, merde. I don't know where it is. Fuck. Ah, voilà. Merry Christmas! Ho ho ho! Voilà, là je vais placer ce truc ici. Hein, cette espèce de machin hideux. Non, je déconne, hein, franchement. Ah ben, je vous mets quand même au défi d'essayer de faire pareil, hein, ce genre de petite décoration. Et qui sait, ben, je le mettrai peut-être dans une des vidéos sur la chaîne. Hein, franchement, regardez ça. Il n'y a pas plus beau que ce genre de truc. Hein, c'est... Donc tout a été fait à la main. Regardez, les rochers ont été placés minutieusement histoire que ça fasse vraiment un piédestal. Hein. Ah non, il n'y a pas à dire. Le mec, il a géré quoi. Excellent. Alors là, on veut placer un truc comme ça. Est-ce qu'on peut le placer comme il faut? That's the question que je me pose. Alors, j'aimerais bien le placer comme ça. Voilà. Ouh là là, c'est quoi ça? Il y a des vaches? Non. Ouais, je sais pas. voilà, donc on a fait notre rue principale. Enfin, on l'a presque terminée, puisque je vais encore rajouter un seul truc. Et normalement, Christmas Style Shop Street.
Voilà, normalement c'est ça. Mais je sais pas si c'est assez long. Si c'est trop long, je le mets pas, hein, franchement. Ah ouais, si je le mettrais en hauteur comme ça le fait? Ah non, il peut pas être en hauteur en fait, le machin. Le machin peut pas être en hauteur, hein, sinon ça le fait pas quoi. Voilà, faut vraiment que je le pose minutieusement ou doucement sur le sol, hein, histoire que ça ressemble quand même à quelque chose. Voilà, je pense que ça le fait. Voilà, impeccable. Voilà, on a quand même pas mal de magasins là. C'est plus devenu un truc commercial qu'autre chose, notre parc, mais voilà. On a quelque chose d'assez beau. Hein. Et là, je vais recommencer. Je vais encore une fois remettre des sapins de Joël. Non, des sapins de Noël. Enfin, des ornements, quoi. Une décoration. Voilà. Bon, je vais pas les placer. Voilà, ils sont placés vraiment de façon à ce que les gens sachent passer. Donc ça va pas gêner les gens. On a vraiment l'esprit de Noël. Je vais remettre la journée sur le jeu pour que je sache continuer notre parc. Voilà. Alors, y avait juste un truc que je voulais placer, mais bon, voilà, je me suis dit, est-ce que je vais le placer ou pas? Ouais, je vais le placer, allez hop. On va le placer. Voilà, comme ça c'est fait. Comme ça les gens ils sont contents. Voilà. Donc, alors, voyons voir. Donc, j'ai un truc ici, voilà. Il fallait que je trouve le fameux ride. Ah, voilà, ici. Est-ce que ça va le faire? Ah ouais, le machin, c'est quand même... Waouh. Ah ouais, carrément, quoi. Putain, le mec, il s'est cassé la tête à faire vraiment un truc de ouf, quoi. Ah ouais, putain, mais c'est un truc, ça prend de la place, cette histoire, hein. Est-ce que je peux le placer juste à ras du sol? Putain, ce serait mon kiff que j'arrive à le faire, quoi. J'arrive à le placer à ras du sol. Et ça gêne pas. Voilà, en fait, ça gêne pas du tout. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Voilà, on a une petite attraction de Noël. Merde, je me retrouve dans une débâcle là. Et on a une petite attraction de Noël où on peut placer déjà notre entrée. Voilà, tout simplement. On va placer notre sortie. Connect to entrance, voilà. Ah. On a ce fameux problème de place, encore une fois. Voilà, on va comme ça. Et voilà. Voilà, on a une petite entrée qui n'est pas. Ouais, une petite queue, une petite file d'attente qui n'est pas trop longue. Donc les gens, ils vont quand même kiffer, hein. Ils vont arriver ici, ils vont se dire waouh, une attraction là, il faut aller voir. Et puis voilà, ils vont aller dedans. Je le fais bien, hein, le visiteur qui va absolument aller dans cette attraction. Donc, alors il me faut une fois de plus quelque chose de grand, de beau, comme quelque chose comme moi, quoi. Non, je déconne, hein, les gars. Pas tout prendre au premier degré, hein. Si je place ça là. Ça va le faire, hein, franchement, ça va le faire. Et je vais placer quelques bazars ici, voilà, impeccable. Je place encore un truc ici, voilà, on se casse pas la tête. Et encore un truc ici. Voilà, histoire d'éclairer un peu le merdier là, parce que voilà, c'est éclairé, mais pas comme on le souhaite, quoi.
Voilà, je vais encore mettre une lampe ici. Voilà, tout simplement. Impeccable. Donc c'est centré. Voilà. J'ai même pas calculé le truc. C'est centré comme il faut. Voilà, on a notre première, deuxième attraction pour notre parc. Hein, ça va le faire. Moi, je pense que ça va le faire. Ensuite, on va se concentrer sur la suite. Puisque, voilà, c'est uniquement un thème Noël. Hein, on va pas commencer à faire un thème jungle ou un thème jurassique pour les gens. Quoi. Donc, on va vraiment se concentrer sur le thème Noël. Et je pense que ça se prêtait bien, assez bien au thème Noël, même s'il n'y a pas vraiment de sapin dans l'histoire. On peut éventuellement modifier tout ça, quoi. Voilà. Si on fait un labyrinthe, un labyrinthe, mais qui est basé vraiment sur le thème de Noël, franchement, ça le ferait, quoi. Alors, est-ce que je vais savoir faire ça? Je sais pas. Hein. Je vais tout d'abord voir ce que je peux faire ici. Voilà. Donc, on va s'occuper de notre thème, enfin de notre labyrinthe, hein, puisque c'est quand même quelque chose d'assez sympatoche. Donc, pour ce faire, pour pas se tromper, on va déjà commencer avec notre route. Voilà. Hop, route. Je vais faire angle snap 0. On va faire une route bleue. Bleue ? Non ? On va pas faire une route bleue ? Non, on va pas faire une route bleue. On va faire une route rouge. Le rouge, ça va bien hein, avec. Ouais, ça peut le faire. Une route en rouge. Par contre, la route ici, je dois la continuer. Je vais faire 8 mètres comme j'avais fait tout à l'heure. Hop. Et je vais y aller un peu plus loin. Voilà, 15%. Voilà, impeccable. Comme ça, on se prend pas la tête. Largeur. Est-ce que 4 mètres, ce serait assez? C'est la question que je me pose, quoi. Est-ce que 4 mètres, ce serait assez? Je prends directement 5 mètres. Comme ça, je suis sûr que... Ouais non, c'est trop large. Je vais prendre 4 mètres. Voilà. Limite, si on voit les bords, on s'en fout. Hein. Faut que ce soit avant tout... sympa à regarder. Voilà. Ah. Ok, donc là déjà, on a un problème. On a un problème parce que... le labyrinthe... commence à me casser les bonbons. Hop. Ça c'est pas bon hein. C'est pas bon du tout parce que j'arrive pas à placer les trucs comme il faut. Alors est-ce qu'il faut commencer par ici alors, éventuellement? Ouais, ça le fait mieux, hein. Franchement, ça le fait mieux comme ça. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when it's cold and drear. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Christmas tree
to us such joy and glee. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, such pleasure do you bring me. Christmas tree, you'll ever be unchanging, a symbol of goodwill and love. You'll ever be unchanging. Each shining light, each silver bell, no one alive spreads cheer so well. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, you'll ever be unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, you'll ever be unchanging. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour ce qui est de labyrinthe. J'ai encore pas mal de choses à faire dans le parc, mais bon, vous voyez que je me suis quand même pas mal cassé la tête à faire les petits chemins et tout. Les petites décorations par-ci par-là, hein, faut pas en mettre partout parce que sinon ça ferait un peu trop au même endroit. Éventuellement, je vais encore mettre ça ici, tiens, les candy, machin, les petites les sucettes au sucre d'orge. Je vais mettre sur un petit sapin. Ouais, je vais mettre encore un petit sapin. Peut-être à l'arrière, je sais pas. Est-ce qu'il y a encore de la place à l'arrière? Non, il n'y a plus de place. Quoique, je le mettrai bien ici, comme ça sur le côté. Hein, pour un peu décorer, quoi. Pour un peu. Et voilà, on va essayer de faire My Blueprint. Non, pas My Blueprint. Scenery. Au niveau des arbres, on va prendre ça, voilà, on va en placer un peu partout, hein. on va pas avoir peur d'en abuser. Hop, 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 voilà, on en place un peu partout, histoire que ça fasse un peu, voilà, forêt de sapin, quoi, voilà, tout simplement. Voilà. On avait un deuxième type de sapin là. Je sais pas si c'est... Ah oui, ils sont un peu plus grands ceux-là. Voilà. Voilà, tout simplement. On les place un peu comme ça. Un peu à la one again, comme on dit. Voilà. Voilà. Ah, je viens de regarder un truc là. Je viens d'effacer le sapin de Noël. C'est génial. Ouais, c'est pas trop grave. Voilà. On va déliter. On va essayer de voir si on peut le retrouver dans mes blueprints. Voilà. Christmas tree. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Quoique celui-là est pas mal non plus, tiens, en fait. Voilà. Ça change un peu. Voilà, faut pas en mettre des... Faut pas mettre des sapins de toutes sortes. Hein. On met un... Enfin, faut pas mettre des sapins de... Les mêmes. Faut un peu varier... varier le truc, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je vois que ma route ici, elle est bien éclairée de certains endroits, mais dans d'autres endroits, c'est pas terrible, quoi. Je vais te faire voir si éventuellement... Ah! Est-ce que j'ai fait une connerie? Non, j'ai pas fait de connerie, en fait. C'est le truc qui s'est tout simplement désactivé. Enfin, le workshop qui s'est mis en route. Alors là, je regarde. Est-ce que je pourrais éventuellement... Christmas shop. Excellent! Il y a encore plein d'échoppes en fait. Hein. Voilà, on n'est pas... Pour l'instant, on n'est pas à ça. Donc, je pense que au niveau du labyrinthe, c'est bon. Voilà. Niveau de la rue principale, c'est pas mal. Voilà, on peut faire mieux. Mais voilà, j'aime bien le style un peu comme ça. Voilà.
faut pas trop, pas trop se prendre la tête. Voilà, impeccable. Bon putain, c'est pas comme je voulais le marquer, les placer, mais bon, on va faire avec. Hein. Ah, ok, bon, ben, on va les placer comme il faut, parce que sinon ça va pas le faire avec les ornements, hein, les décorations. Donc je vais devoir prendre une nouvelle fois ça, voilà, hop, place it like it should be. Voilà, là c'est mieux, voilà. Je sens que, voilà, il y a eu du travail là. Hein. On a bossé le truc et je sens que ça le fait quoi. Voilà. On va placer les ornements, hop, et ça ping. Alors, on peut les placer éventuellement de cette façon, hein. On peut les placer ici, comme ça, sur le coin, mais ça le fait pas. Alors, on va le placer comme ça ici. Comme ça, voilà, on a une dernière série de sapins et voilà, c'est très bien comme ça. À la fin, il en faut plus. Voilà, en fait, c'est très bien comme ça. Il faut pas en mettre de trop non plus, hein, faut pas en abuser. Donc, alors, je voulais voir pour éventuellement une nouvelle attraction. Voyons voir. Milkshake, non, ça j'ai pas besoin. Un truc comme ça. Red Steel. Est-ce que ça peut le faire, ça? Wouah, le truc, quoi. Regardez ça. Oh, punaise. Y a pas machin auto-tunnel dans l'histoire, là? Attendez, voyons voir. Angle snap. Non, pas angle snap. Il faut auto-tunnel machin truc, là. Y a pas ici? Non, apparemment, y a pas. Bon, c'est pas trop grave. Hein, éventuellement, ce que je vais faire, voilà, je vais le mettre comme ça, le placer de façon à ce qu'il passe entre les sapins de Noël et tous les bazars comme ça, enfin, pas trop, c'est pas encore trop grave en fait, hein, si on les place comme ça, enfin si, en fait si c'est grave, voilà, essayer de les placer comme ça. Oh, un truc de malade. Oh, il y a dès la taille du truc, quoi. Franchement. Mais c'est quand même bizarre que j'arrive pas à le placer. Ah ouais, mais c'est parce qu'il s'enfonce comme ça, d'accord. Ok, d'accord. Ah bah dis donc. Moi je vous dis, il y en a du boulot, hein, sur ce truc. Alors la sortie, ça c'est un truc que j'ai jamais compris, hein. Pourquoi est-ce qu'il faut placer une sortie comme ça? Allez hop, on va changer ça. Edit, piaf. Alors là, on va placer ça de la même façon, à la même sortie. Entry left, exit left. Hein? Non, entry left, exit right alors. Ah non, non, ok, comme ça, voilà, ok. Ok, 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 ok. Non, non, entry right, exit right. Voilà, ça c'est l'entrée, la sortie. Donc, voilà, done. Voilà, maintenant on va pouvoir placer notre entrée et notre sortie de cette façon. Voilà, hop, entrée là et la sortie de ce côté-là. Merci bien, au revoir. Alors là, j'ai placé vraiment mon truc comme un clown, hein, qu'on se le dise, va annuler ça, qu'on se le dise bien, j'ai placé mon attraction comme un clown, tout simplement, voilà, pas se cacher, hein. Voilà. On a notre entrée, notre sortie, maintenant il faudra juste voir que je change un peu la couleur de tout ce merdier, parce que ça ressemble pas à grand chose, donc car color. On va prendre une couleur rouge, tout simplement. Voilà. Rouge avec du bling. On va voir ça en journée, ce que ça donne, mais à mon avis, pas très blanc. Ouais, ça passe. Ouais. Je pense que ça le fait, hein. Franchement, je pense que ça le fait. Mais là, il faudra juste faire un test
éventuellement pour voir si ça fonctionne vraiment, mais à mon avis, il n'y a pas trop de problèmes. On est déjà à presque 2 heures de Planet Coaster, donc j'avais dit voilà, que l'épisode durerait environ 40-50 minutes. Voilà, on n'est pas loin des 40-50 minutes. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo spéciale Noël. Du coup, ben, comme tout est placé et comme il faut, il n'y a pas vraiment d'attraction, mais bon, c'est un petit parc de Noël, hein. On va pas non plus faire un grand parc spécial Noël, parce que sinon on y passerait quand même pas mal d'heures. Donc je vais voir, est-ce que je peux éventuellement placer encore quelques machins comme ça ici? Non, pas en custom, en powered ride, water ride. Alors là, il n'y en a pas. C'est quoi cette histoire? Bon, c'est pas grave, on va en faire un. Voilà, on va en faire un. Voilà, encore un spécial Noël. Ou non, attendez, on va faire un transport ride. Non, attendez, hop, on va faire un coaster. On va faire un coaster et vous allez m'en dire des nouvelles parce que c'est quand même quelque chose. Family coaster. Coaster spécial Noël. Voilà. On va le placer ici, enfin essayer de le placer ici parce que ça peut le faire, franchement ça peut le faire. Donc, alors au niveau de l'entrée, on va la placer ici comme d'habitude. Au niveau de la sortie, on va la placer on va la placer ici tout simplement, hein. Voilà, pas se prendre la tête. Donc niveau de la sortie, hop, on descend. Non, il faut d'abord faire comme ça, on descend un peu le merdier, on passe par là, on passe par là, on descend comme ça, hop, 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 on descend de nouveau comme ça, et voilà, on a une entrée qui va nous permettre d'aller sur le fameux train-train qui passera au-dessus du labyrinthe. Voilà. Au niveau de la sortie, bah c'est la même chose, hein, ici tout simplement. À part que ici c'est pas une file d'attente qu'on va faire, c'est tout simplement la queue leu-leu, quoi. La sortie. Alors je vais passer par là, hop, par derrière. Voilà. On passe sur le côté, voilà, impeccable, on se prend pas la tête, et voilà, on a une petite sortie, une petite entrée, c'est nickel. Maintenant, au niveau des couleurs, je ne sais pas trop ce que je vais faire, je vais voir si je peux faire du rouge, éventuellement, voilà, c'est très beau. Track color, du blanc, voilà, éventuellement. Ça, ce serait pas mal, ça, du blanc partout et un peu de rouge. Et donc, au niveau des couleurs du train, le machin, on va aussi prendre du blanc, voilà, et on va mettre du rouge pour le reste, voilà, on prend du rouge, voilà, impeccable, et là c'est pareil, on prend du rouge, voilà, impeccable, hop, alors on prend ça, on agrandit tout ça. Waouh, ça va le faire. Moi, je vous le dis, ça va le faire. Voilà, avant, il fallait se casser la tête à essayer de diriger ces rails en dessous. Enfin, dans un trou qu'on avait déjà fait au préalable. Maintenant, il faut même plus se casser la tête. On fait un rocher, on fait une montagne, hop. Et voilà, on fait un espèce de tunnel ou des espèces de petits canyons, hein. C'est pas mal, hein, franchement j'y avais pensé l'autre fois, je me disais mais en fait maintenant on peut faire ça, quoi. Voilà, sans se casser la tête, et c'est très beau comme ça. Voilà, on se prend pas trop la tête. Oh, ça va le faire, franchement. Voilà.
Donc le rail il passe par là, hop. Alors là ça doit un peu remonter. Poubelle, poubelle. Voilà. Je pense qu'on a terminé notre parc. Donc il est temps d'ouvrir ce parc et je vous laisse la cinématique pour terminer cet épisode spécial Noël. J'espère que vous avez, avant de nous quitter, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comment et éventuellement partager la vidéo si l'envie vous prend. Voilà, c'est ce qui me motive, hein, les likes et les partages et aussi les commentaires. Et surtout, les vues, hein, si vous partagez, il y aura plus de vues. Et donc, je continuerai la série sur Planet Coaster, puisque, comme vous le savez, Planet Coaster, c'est quand même de l'imagination. Et quand on a une imagination infinie, on pourrait construire tout et n'importe quoi. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao. No stress.